Voilà, c'est relancé. Et du coup, on continue. On va récupérer toutes les trois récompenses. 1500. 1500. Et 1500. Lorsque vous aurez atteint le... Hein? Oh. On est lieutenant? Ah oui, on est lieutenant. Ouh. Sinon, c'était lieutenant au niveau 17. Alors, nous avons obtenu l'aide du vent et de l'eau, les bénédictions de la première garde des Lanciers du Soleil, un détachement de Lanciers du Soleil tout frais, et l'aide de héros venus de l'autre côté de la mer. Cormyr rassemble en ce moment même ses forces au champ de Churir. Lorsque vous aurez atteint le rang de lancier, de lieutenant des Lanciers ou le niveau 17, aidez-la à rassembler ses troupes. C'est cher. Et oui, c'est cher, puisque juste c'est que durant la petite pause, on parlait des armures d'élite qui coûtent la peau du cul. Pour info, c'est 75 000 d'argent, plus énormément de compos de craft, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on cherchera pas les armures d'élite, hein, c'est moi qui vous le dis, hein. Et elle est où Cormyr? Là! Clique dessus! Ah. Bon, tant pis. Là, il y va tout seul. Nickel. Pas la messie à trouver la route. Du coup, ouais, clairement, les armures d'élite, on va pas courir derrière, hein. Déjà, j'ai pas assez d'argent. Peut-être que j'ai assez de compos, mais l'argent, pas tellement. Nous nous tenons au bord du gouffre, au bord de la guerre. Veuillez retourner à Camadan et organiser une rencontre avec Soul l'Ancien. Tout doit être prêt pour l'assaut. Parlez à son assistant pour... Moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Allez, du coup, allons voir le secrétaire. Enfin, le scribe, hein, parce qu'on va se mettre ça comme il faut. L'assistant, bon, ça va. Malgré ses préoccupations, Soul l'Ancien a hâté les préparatifs depuis le départ de Cormyr. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez pour faire pencher la balance de notre côté. Pour cela, vous avez toute ma gratitude. Les Lanciers du Soleil se sont rassemblés pour la bataille. Nous devons informer Soul l'Ancien de nos intentions. Blablabla. Cormyr, pourquoi avez-vous rassemblé vos Lanciers du Soleil? Varej vous a relevé de vos fonctions et a chassé vos partisans de Khorna. C'est ce que je craignais. À partir d'aujourd'hui, Varej, Ossa et sa clique sont les ennemis des Lona et des Lanciers du Soleil. Varej se tient prête et nous attend de pied ferme. Nous devons faire voile vers Gandara et l'affronter au plus vite. Des navires Istani nous seraient très utiles. Vous plongeriez Elona dans la guerre civile. Il nous reste encore plusieurs options diplomatiques. Écoutez, l'ancien, nos yeux ne nous trompent pas. Varej est réellement une menace. Il est de notre devoir de Lancier du Soleil de défendre Elona. Mais Lanciers accompliront leur devoir avec ou sans votre aide. Pouvons-nous compter sur la flotte Istani
Oui ou non? Oui, oui, nous vous aiderons. Puissent les cinq dieux avoir pitié de nous. On part en guerre. Allez, direction l'embarcadère du consulat. Là où nous étions déjà venus une fois, mais ce n'était pas une coop. Du moins pas pour l'instant. Alors ça, ce sont deux quêtes qu'on va récupérer, qu'on ira faire. Mais pas tout de suite. Puisque c'est une quête qui nous envoie à Kanta, donc la région de faction, pour avoir un héros. Et la deuxième, un pour tous pour un, qui est une quête qui nous envoie à l'Arche du Lion pour une quête qui nous donne un héros. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Là, j'ai pas forcément envie de commencer, enfin, de faire ça maintenant. Mais on le fera. Du coup, allez les héros, venez tous. Fais péter l'XP. Personne n'a passé de niveau sauf moi. Hop. Nous sommes prêts. Baston. Exactement. Attaquez Gandara. Unifiez les fronts d'attaque sud et ouest. Capturez le rempart avant. Nous sommes partis pour la guerre. À l'assaut. Lancier du soleil, en avant, restez ici, c'est mourir. Palamessia, prenez votre équipe et capturez le rempart avant. Des renforts vous rejoindront dès qu'il sera capturé. Allez, avancez. Laissez-les venir. Oh, pas mal le coup. Pas mal la zone. Ah, il y a eu un level up derrière. Je sais pas qui c'est. C'est Talcora. Tuons la phalange qu'on a. Allez, butez-moi ces archers. Alors j'aurais peut-être dû prendre la nécro pour avoir les bébêtes. Ah putain, il est sur tourbillon défensif, ça c'est chiant. Et d'ailleurs... Ah ah! Archer droit devant, sécurisez cette position! Alors techniquement on doit continuer en allant par là-bas. Sauf que si on va par ici... On va pouvoir faire le bonus. Alors, les bonus qui va consister à buter les commandants opérationnels de Cournant. Donc là, il y en a un niveau 24. Ce sont des parangons, je rappelle. Que du coup, c'est... Voilà. Extra. Éliminez les groupes de maréchaux Cournant. Il reste deux groupes sur trois. Il en reste deux sur trois. Merci. Tu l'as déjà dit. Allez. Du coup, cette fois-ci, on repart du bon côté de la zone. Et du coup, ça permet à nos rôdeurs de se poser. Du coup, j'avais même pas pensé aux lutins. Ouais, pour le coup, c'est moi qui ai pensé. J'y ai pensé de moi-même. Cet officier Cournant coordonne les déplacements des soldats ennemis. Éliminez-le et nous serons délivrés de ces renforts incessants. T'inquiète. Alors d'abord buter les scribes, puisque les scribes sont des élémentalistes qui ont météores. Et que les météores, c'est chiant, ça fait mal. Et ça stun en plus. Non, ils sont derrière nous, vite! Hop, 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 hop. Vous ne savez rien, il n'y a personne, on n'est pas là. Ah, là, il y a un scribe. Scribe, scribe, scribe.
Voilà. Bien joué, Palamécia. Merci, merci. Nous les tenons par le flanc. Nous devons résister, l'ancien soleil. À mon commandement, avancez. Hop, on se met de ce côté, comme ça on peut toucher tout le monde à la fois. Et bim. Nickel, ça se passe bien pour l'instant. Cette invasion se passe plutôt bien. Repliez-vous, éloignez-vous du feu. Ouais, alors attendez, restez derrière. Le front sud est bloqué par des cracheurs de feu. Hop là, on les aggro. À joue. Tuez les ingénieurs de siège qui s'occupent des cracheurs de feu afin de dégager le passage pour le front d'attaque sud. Allez, mourez! Par ma fosse, soyez purifiés! Ah, ma vie! Il a failli me purifier moi-même. Allez. Tuez cet ingénieur. Voilà. Le front, les fronts offensifs sont réunis. Ah, il y a un prêtre. Merde, j'avais pas vu. Tuez le prêtre. Voilà. Pardon. J'allais dire, même sans nécro bébête, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, Nerashi. Il était temps que vous arriviez, t'inquiète. Nerashi, laissez les brumes s'en charger. Lonai, pouvez-vous nous fournir quelques renforts? Bien sûr, vous avez entendu le maréchal? Exécution! Oui, elle demande des renforts avec des guillemets, puisque c'est une nécro qui fait des bébêtes. Allez, on passe! Rogis, n'a-t-il pas moyen de démolir ces murs? Pas vraiment, j'en ai peur. Leur artillerie lourde est plus efficace que la nôtre. J'ai une idée. Nous devons nous emparer de cette bombarde. Les Cournants n'en ont pas encore fini de la préparer. Et elle est encore tournée vers leur porte. La meilleure idée du siècle, tourner ses propres armes contre son propre mur. Capturer la bombarde Cournant pour pouvoir entrer au cœur de Gandara. Allez, là c'est bon, le scribe. Évidemment, au moment où je me mange le météore qui me tue. Aïe aïe aïe. Bon, je rappelle que j'ai pas le niveau normalement pour faire cette coop. Hein. Vous voyez, les mobs sont tous niveau 20 et nous on est niveau 14. Hein, voilà. C'est pas ouf, hein, mais on fait avec ce qu'on a. Et j'ai clairement pas envie de retourner en arrière pour farmer. Allez, bouffe! Oh, il s'est protégé. Ah, un level up dans le tas. Ouh, allez, un groupe de moins. Oh, suivant. Ah, tuez-le! Ah, nickel. Je vais le tuer assez vite, comme ça on a stoppé son météore. Un scribe.
Ces guetteurs courent encore dans les attaques de siège sur nos navires. Si nous parvenons à en éliminer quelques-uns, nous faciliterons la vie à nos troupes de débarquement. T'inquiète, Pépère, on gère. Là, c'est bon. Y a pas de scribe. Allez, meurs. Ensuite, les gardes. Ouvrez la porte. Toc toc. Objectif atteint. Beau travail, capitaine. Vous avez fait du bon travail, Duncoro. Nous avons reçu des nouvelles de Cormyr. Elle a attiré Varesh Ossa sur la place des cinq dieux. Il lui faut des renforts. Nous partons immédiatement. En route. Let's go. Je suis mangé, à plus tard. Ok, bon appétit, Luna. Merci d'être venue et à plus tard. Prenez des positions défensives sur la place des cinq dieux. Ah oui, c'est Varesh qui parle. Mais nous, on va pas y aller de suite. Puisque... par ici, il y a un commandant à tuer. Bon, ça va arrêter là ? Oh, 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 ma vie. Ma vie qui prend tellement cher. Allez, go. Hop là. Il reste un groupe. Dernier groupe qui se trouvera presque à la fin de la coop. En sachant que là, on n'est pas très très loin de la fin. Allez. J'aimerais les attirer un petit peu. Parfait. Aïeux. Oh, pas mal la pluie de météores. Ah oui, bon, ça on l'a déjà vu. Tu te répètes un petit peu, Duncoro. Je sais que t'es un peu vieux, mais quand même. Radoté à ton âge. Ouch. On parle du météore qui fait 300 de dégâts. Et la boule de feu qui fait 350 de dégâts. Cormyr, c'est un piège. It's a trap. Je sais, Duncoro, je sais. Allez, on aggro. Non, ils veulent pas avancer. Bon, tant pis. Allez, go. Oh, le lutin s'est fait des pop. Oh, on va se faire des pop. Bon, ça va. Oh. Tout plein de dégâts tout partout à l'écran. Reculez pas. On a le capitaine Kavaka qui arrive. Aïe. D'ailleurs. Nouveau lutin. Allez. Ah putain. Tuez-le! Défoncez-le, arrachez-lui les entrailles et faites-lui bouffer!
Mais alors, pourquoi continuer? Nous devons encaisser le plus fort de la magie noire de Varesh. Nous devons protéger Elona à tout prix. Allez, arrête ton tourbillon défensif. Merci. Allez, voilà. Butez-le. Voilà. Et le dernier commandant, le voilà. Ça nous en fait 3 sur 3. Ok. Ah, il y a un archer qui est arrivé derrière. Non, c'est bon, il est reparti. Allez. On peut se diriger vers la fin de la coop. Et les deux groupes qui sont là, ce sont les derniers qu'on va affronter. Ce sont les deux derniers groupes. Hop là, la petite pluie de météore qui fait plaisir. Qui est super bien calée en plus. Pour le coup... Jusqu'à maintenant, Susuke nous a placé des pluies de météores plutôt pas mal. Hein. Elles étaient toutes vraiment pas dégueu. Là. Et le dernier. Voilà. Maréchal des lanciers Cormier. Contente de vous voir, capitaine. Varesh et ses partisans se sont retranchés ici. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons donner l'assaut. À mort ! Lanciers du soleil ! Préparez-vous ! Épargnez ceux qui se rendent ! Au nom des cinq dieux, à l'attaque ! Ouais ! Imbécile! Vos dieux sont faibles. Mon dieu me prête sa force. Abaddon! Egdir. De magnifiques représentations de chaque dieu autour de la salle. Il y avait... Par les dieux, elle a des démons. Abaddon se régalera de vos yeux. Ouais, ouais, on leur dira. Cormier, vite, sauf qui peut. Oh. Où est Kos? Et où sont les autres? Par ici, nous pouvons nous replier par le pont. Ils ont tué Cormier. La fuite ne vous sauvera pas. Abaddon est fort. Le crépuscule approche. Ouais, ouais, hein. Leur force anéantie par les démons de Varesh. Leurs alliés tués ou capturés. Les lanciers du soleil rescapés cherchent un sanctuaire.
Et nous arrivons au havre de Yolon. Kos a été capturé par les Cournants. Parlez au lancier du soleil Modiki pour continuer. Allez, on prend tout. Alors, Modiki, qu'as-tu à nous dire? Pas la Messia, les cinq dieux soient loués. Vous êtes dans un seul morceau. Si peu ont survécu. Atok a été tué dans l'assaut. Et Rogis, Kos et Cormyr manquent tous à l'appel et sont présumés morts. Nerashir a réussi à s'échapper avec Lonai, mais les nerfs de Lonai ont lâché. Nous devons rester discrets. Les troupes Cornan nous cherchent partout. Attendez une minute. Qu'est-il arrivé à Kos? Après l'attaque des démons, il s'est retiré de la cité. La dernière fois qu'il a été vu, il repoussait une horde de gardes Cornan pour donner à Nerashi assez de temps pour fuir. Vous ne pourrez plus partir à l'aventure avec Kos si vous ne le retrouvez pas. C'est horrible. Quel est notre plan? Nous ne pouvons pas utiliser le havre de Yolon comme point de rencontre. Trop de patrouilles Cournant l'encercle. Nerashi est parti vers le nord pour explorer d'autres zones. Vous devriez aller voir Zudash Dejarin. C'est un vieux marchand bougon qui n'aime pas les lanciers du soleil. Mais il pourra peut-être vous indiquer un lieu où vous cacher. Je reste ici et j'enverrai sur vos pas les autres lanciers du soleil. Ça me paraît bien. Vous ne vous battez jamais seul, Modiki. Notre attaque de Gandara a été stoppée par Varesh et cette armée de démons qu'elle a en quelque sorte enrôlée. Mais tout n'est pas perdu. Nous nous rassemblons. Tout d'abord, nous devons établir une base d'opération ici, à Kurna. Alors rassemblez-vous. Nous ne pouvons pas pleurer la disparition de Kos et des autres pour l'instant. Nous aurons le temps plus tard. Les lanciers du soleil ont besoin de votre ténacité maintenant. Zudash Dejarin, un marchand du coin, doit connaître un endroit convenable pour nous que nous pourrions utiliser comme poste de commandement. Pouvez-vous le consulter pendant que je m'occupe des autres survivants? Bien sûr. J'aime bien la validation, c'était Kos voudrait qu'on aille botter les fêtes de Varesh. Mais pas de soucis, on ira. D'ailleurs. Tac, voilà. Je n'ai pas de domaine, je n'ai pas de fils. À présent, je m'inquiète pour ma fille. Tout cela à cause de ces satanés lanciers. Lancier du soleil, hein. J'ai entendu parler de votre débâcle à Gandara. Varesh a complètement brisé vos forces. Et maintenant que vous êtes éparpillé sur l'ensemble du territoire Cournan. Pauvre fou idéaliste. Le malheur vous suit partout où vous allez. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous quittiez les lieux. Laissez-moi réfléchir. Un de mes vieux camarades, Jonah l'Ancien, pourrait peut-être vous aider. Il se trouve à Ranjok. Allez donc lui pourrir la vie. J'adore ce mec. Allez, du coup on va continuer un petit peu. Mais on ne va pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va aller jusqu'au fameux poste de commandement. Et ensuite on se quittera là pour ce soir. On aura mine de rien pas mal avancé. On aura fait deux coops, ce qui est pas rien. Pas encore niveau 20, mais ça ne saurait tarder. Et de toute façon, il faudra qu'on farme par ici pour avoir assez de points de lancier. Je sais pas quel est le prochain niveau Reiki, mais je sais qu'il va falloir le faire. Donc maintenant, l'avantage qu'on a en ayant ici, c'est que les primes donnent maintenant 4 points au lieu d'un seul. Et l'XP est toujours doublé. Par contre, maintenant, tous les mobs qu'on va rencontrer sont niveau 20. C'est la bonne blague et la bonne surprise. Allez. Du coup, ça va quand même aller plus vite pour passer les rangs de lanciers. Même si il y a encore du boulot. Titalitalan. Du coup, je pense que d'ici la prochaine fois, il faudra que je change l'armure. On va peut-être pas le faire maintenant, parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Mais faudra le faire. Parce que clairement, avec une armure qui a combien? Qui a 25 de défense. On va pas aller très 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 loin. Clairement pas. Là par contre. Eh, vous là! Revenez ici!
Vous allez mûrir par ma lame et par la lame de ma faux. Ah, des courants. Ils nous ont repérés. Allez, meurs. Oh, ma vie. Comment je suis passé de 400 à 50 en 2 secondes? Donc comme je le disais, bah, à partir de maintenant... Enfin, comme je le disais, non, comme je l'avais dit, je l'avais mentionné dans un live précédent. Mais à partir de maintenant, on va avoir les musiques qui vont changer quand on sera en combat. Nous aurons nos fameuses musiques de combat. Et c'est sympa, c'est un truc qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans Guldor. Mais maintenant, on aura des trucs beaucoup plus rythmés durant les combats. Comme vous avez pu l'entendre. Hein. Alors pas à tous les combats. Parce que là, vous voyez, hein, contre les petites araignées toutes pourries, voilà, y a rien. Mais contre les gardes courants qu'on a battus il y a quelques secondes, là, il y avait la fameuse musique qui avait changé. Allez, les insectes qui sont là-bas. Là, vous voyez par exemple, la musique. Et level up, niveau 15. Et la musique se calme. Allez, là-bas il y a d'autres insectes. Et du coup, notre direction... Ok, vous la voyez sur la map de toute façon. Plein nord. Ah, notre armée de morts-vivants est là. Donc tout va bien. Le scribe, je l'ai. Alors faut savoir, les courants nous repèrent de loin. Hein. Généralement, dans les groupes, il y a un guetteur qui leur permet justement de nous voir de méga loin. Donc bon, faudra faire avec, faudra faire gaffe surtout quand... pour l'instant, on s'en fout, hein. C'est juste des zones d'exploration. Mais dans certaines coop, ce sera à gérer. Ce qu'il y aura par exemple... J'ai souvenir de quelques coop où il faudra éviter de se faire repérer. Sinon ce sera combat sur combat. Et ça ralentira la progression tout simplement. Et vous ? Même pas mal. Là-bas, il y a un scribe. Je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Vous voyez le guetteur qui commence à s'approcher alors que le groupe est encore là. Il y a un prêtre ou quoi? Non. Je sais pas, je l'ai vu récupérer de la vie, je me suis posé la question, du coup. C'est peut-être avec son affinité élémentaire, cela dit. Sûrement même. Et d'ailleurs, ça me fait penser que maintenant qu'on est arrivé sur ce continent-là, on va pouvoir aller chercher une compétence d'élite avec avec notre derviche Palamessia. Et ça pourrait être des compétences très intéressantes, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais on ira chercher ça très probablement la prochaine fois. Parce que là, comme je disais, on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Allez, avancez, vous, avancez, avancez. Ok, mais eux viennent jusque là aussi, donc... On va d'abord aller buter le scribe. Aïe. Donc à partir de la prochaine fois, on aura pas mal de choses à faire. Notamment, aller sauver Kos. Ouais, aller le chercher, ce boulet. Oui, hein, je rappelle, j'aime pas Kos. Allez, meurs.
un level up dans le tas. Et le guetteur qu'on va défoncer. Allez, meurs. Meurs, j'ai dit. Merci. Et on n'est pas loin, non, c'est juste sur la droite. Alors on va essayer d'éviter au maximum les gros groupes de gardes. On est passé à combien de points? Eh, 905 quand même. On n'est pas très loin du level up. Je rappelle pour... Enfin, du level up. Du rank up, on va dire. Je rappelle pour le rang suivant, c'est 1000. Et on est à 900. Sachant que maintenant, on gagne les points 4x4. C'est toujours ça de gagner. Le farm sera donc 4 fois plus rapide, on va dire ça comme ça. Titalitali. Et Jonah, l'ancien, est ici. Et c'est un moine niveau 20, on le voit. Je savais même pas. Ouais, hein, Voquette, on verra ça plus tard. Nous, on n'est pas là pour ça. Bienvenue à Ronjog, voyageur. Blablabla. Vous êtes des lanciers du soleil qui ont défié Varesh. Je suis pas surpris que Zuda, je vous ai envoyé. Il en a après les lanciers du soleil depuis des années, mais j'ai bien peur que vous ne puissiez pas rester ici. Je mets mon village en danger rien qu'en vous parlant. À moins que... oui. Je pense connaître l'endroit idéal. Derrière le village se trouvent des cavernes. Elles faisaient partie d'un vaste temple, de l'eau douce y coule, mais elles sont envahies par d'horribles créatures. Débarrassez l'endroit de ses locataires et vous pourrez l'utiliser comme sanctuaire pour votre groupe. Parlez au garde Bashi, ou Bassi, il vous indiquera le chemin. Pousse-toi et laisse-moi passer. Et le garde est juste derrière. Planqué derrière les arbres. Et du coup, c'est là qu'on va aller prendre notre fameux sanctuaire. Avancez prudemment, comme Jonah l'ancien vous l'a dit, nous pouvons perdre plus que de simples planques si vous faites pas ce que vous avez à faire. Sécuriser le refuge. Ok, zone d'exploration. La zone s'appelle sécuriser le refuge. Hein. On note. Bon, ça va. Elle a été envahie par des insectes. Hein. Il y a pire. Et donc là, hop, vous le voyez, on a 5 zones à libérer. Des méchants insectes qui ont élu domicile ici. Allez, mourez! Voilà, donc là, la première zone a été purifiée. La fameuse zone a été pacifiée. Et on va buter les reines en premier. Donc vous voyez, tant qu'il y a les insectes, l'eau est noire, violet, dégueu. Hein. Et dès qu'on va les tuer, ça devient de l'eau claire. Savoir ce que les insectes foutent dans l'eau, mais c'est bien dégueu en tout cas. Ah voilà. Ici c'est réglé. Est-ce que je peux passer là? Ouais, je peux passer normalement. Oh si, il y aura un petit boss par Angon. Hein. Easy peasy, on va dire. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ah ouais, easy peasy, ouais. Je me suis fait défoncer. Au pire, mon cadavre a servi à faire une bébête de plus, hein, donc... c'est worse. Allez, ici c'est bon. Reine des scarabées, là. I got you. Allez, brûlez tous! Brûlez tous, j'ai dit! Allez, toi tu meurs. Ça en fait un de plus, et du coup,
Le dernier, la reine, elle est là. D'ailleurs, au passage, on va se mettre le petit buff de soin. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Ah, laissez-moi passer! Voilà. Elle est morte. Nickel. Et voilà. La zone est pacifiée. Loué soit Mélandro. L'eau est de nouveau pure. Nous disposons à présent d'une base opérationnelle. Un endroit pour se reposer. Notre c'est déjà posé. Pour concevoir nos plans. Un endroit pour lancer des attaques contre Varesh. Ouais. Moi ça me va ça. Général Morgan. Général Veilleux. Comment avance la traque des survivants? Ces traîtres de Lancier du Soleil sont dispersés dans tout Korna. Nous les capturons un par un. Avez-vous besoin de renforts de Jahai? Des renforts? Ils sont brisés et insignifiants à présent. Insignifiants? J'ai toujours trouvé les Lanciers du Soleil fort habiles. Ne craignez rien, Général. Ils n'ont aucun endroit où se cacher, à moins que la Terre elle-même ne les avale. Tu crois pas si bien dire. Et du coup, nous voilà dans le sanctuaire des Lanciers du Soleil, qui va être notre ville principale maintenant. Notre base secrète. Ce repère n'a rien d'un palais, mais au moins nous sommes à l'abri des forces de Varesh. Nous avons établi un poste de commandement à l'extrémité nord, où vous pourrez conférer... Vous pouvez conférer avec vos alliés. D'accord. Après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, la disparition de Cormyr et maintenant les Cournants à nos trousses, nous avons besoin d'un nouveau chef pour nous guider. Et c'est naturellement à vous que revient ce rôle. Nous devons nous occuper des blessés pour le moment, mais Nerashi est de retour et a apporté, je crois, des nouvelles de Kos. Il y a tant à faire. Du coup, fais péter les 2500 points d'XP. Et la quête, on la prendra la prochaine fois, puisque nous, on va s'arrêter là pour cette fois. Et je m'en vais couper le replay pour aujourd'hui. Allez, Palamessia, aujourd'hui, tu as bien bossé, tu as mérité de te reposer. Allez, on coupe tout ça.